La bourse, c'est pas aussi compliqué et risqué que ce que tu peux imaginer. Alors peut-être que tu as déjà des croyances par rapport à cet investissement, mais est-ce que tu t'es déjà renseigné? Si c'est pas déjà fait, alors tu devrais apprendre beaucoup de choses sur cette vidéo. En revanche, si c'est déjà fait, peut-être que ça va te permettre de consolider tes connaissances ou répondre à des questions que tu te poses encore. Mon objectif, c'est d'en rendre accessible la bourse à tout le monde. Parce que quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre, alors finalement, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, avant de commencer, j'aimerais te demander un petit service qui va m'apporter beaucoup. Faire des vidéos, ça demande énormément de travail, et la meilleure façon que tu as d'être reconnaissant dans mon travail, c'est de mettre un pouce bleu. Si à la fin de cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la bourse, alors oublie pas de mettre un pouce bleu. Si à l'inverse, tu as pas compris certaines choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti, je t'explique tout ça. Alors pour comprendre la bourse, pour l'instant, je vais seulement me concentrer sur les actions parce que c'est l'une des classes d'actifs les plus répandues parmi toutes celles qui existent. Une classe d'actifs, c'est un titre qui permet d'offrir à son acquéreur des revenus ou des gains, et on verra les autres dans une prochaine vidéo. Les actions sont en fait une part d'une entreprise qui sont proposées à la vente à des investisseurs comme toi et moi. Les entreprises peuvent ainsi en échange d'une action recevoir de l'argent qu'ils pourront investir. De l'autre côté, l'investisseur qui a acheté une action peut gagner de l'argent ou en perdre. En achetant une action, il devient actionnaire. Il détient une partie de la société et devient donc propriétaire minoritaire. Le cours évolue en fonction de l'offre et de la demande. Ce cours peut évoluer sans raison précise, mais aussi en fonction de nouvelles informations. Cette information peut concerner le monde, un pays ou l'entreprise en question. Cette information peut concerner par exemple des résultats trimestriels d'une entreprise. Parfois, certaines entreprises sont cotées en bourse alors qu'elles n'ont encore rien commercialisé. Elles évoluent qu'en fonction de l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle des actions spéculatives. Ce sont des actions très risquées parce qu'on n'a aucune certitude que l'entreprise va commercialiser quelque chose. Alors, pour acheter ces actions, il faut se rendre chez un courtier. Il y a le courtier traditionnel avec qui tu vas être mis en relation si tu vas voir ta banque. Sinon, il y a le courtier en ligne. Les courtiers en ligne sont beaucoup moins chers, certains sont même presque gratuits. Un courtier en bourse, c'est un intermédiaire qui met en rapport les entreprises et les investisseurs qui vont ainsi pouvoir acheter leurs actions. Si tu choisis d'être chez un courtier en ligne, tu pourras donc en temps réel acheter ou vendre tes actions à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. À l'avenir, je ferai une vidéo concernant le courtier que tu dois choisir en fonction de plusieurs critères et notamment le tarif. Je te mettrai cette vidéo en description dès qu'elle sortira. Sur ces courtiers, tu pourras ouvrir un ou plusieurs comptes, un peu comme un compte bancaire sur lequel tu pourras acheter des actions. Il y a deux types de comptes, le PEA et le compte titre. La différence entre ces deux comptes, c'est principalement la fiscalité et la zone géographique sur laquelle tu peux acheter ces actions. Pareil, je mettrai à l'avenir dans la description le lien d'une vidéo qui permet d'expliquer ça. Pour t'expliquer globalement, le PEA permet d'investir seulement en Europe, tandis que le compte titre permet d'investir dans le monde entier. Avec le PEA, tu paieras moins d'impôts, mais à partir du moment où tu ouvres ton compte, ton argent est bloqué 5 ans. Sur ces comptes, l'investisseur passe ce qu'on appelle des ordres. Les ordres, c'est ce qui permet d'acheter ou de vendre une action. L'investisseur peut gagner de l'argent de deux manières. Il peut gagner de l'argent s'il réalise une plus-value ou si l'entreprise lui verse des dividendes. Si l'investisseur passe un ordre de vente au moment où le cours est supérieur au prix auquel il l'a acheté, alors l'investisseur réalise ce qu'on appelle la plus-value. Les dividendes, c'est ce qui est versé au cours de l'année par les entreprises aux investisseurs. Ces dividendes peuvent par exemple être versés trimestriellement, annuellement, mensuellement. Généralement, les dividendes sont versés tous les trimestres. Le dividende, c'est un peu comme un salaire pour un salarié. Par contre, ce dividende n'est pas fixe. Il peut varier à la hausse ou à la baisse et même être supprimé. L'entreprise peut décider d'entièrement le couper. Si l'entreprise le coupe, c'est qu'elle a des difficultés. Alors en bourse, il existe deux méthodes d'analyse pour choisir ses actions. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, comme son nom l'indique, consiste à regarder les fondamentaux d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va regarder un certain nombre d'informations concernant cette entreprise pour s'assurer qu'elle a de bonnes perspectives d'avenir. On va par exemple regarder ses résultats pour voir si l'entreprise a un potentiel de croissance et donc voir si l'action a des chances d'augmenter. Cette analyse sert essentiellement pour le long terme mais peut aussi servir pour le moyen terme. Alors il y a trois horizons d'investissement, le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme c'est de quelques minutes à quelques semaines. Le moyen terme de quelques semaines à une année et au-delà d'une année c'est un investissement long terme. L'investissement long terme est contrairement à ce que tu pourrais penser l'investissement qui offre la meilleure performance. Et c'est l'investissement le plus adapté aux débutants. Ensuite la deuxième analyse c'est l'analyse technique. L'analyse technique consiste à analyser des graphiques. Elle sert essentiellement pour les investissements court terme. Elle exige plus de connaissances et le risque de perte est plus élevé. Cet investissement n'est pas très adapté aux débutants, surtout si ton objectif est de te constituer des revenus passifs. Investir sur le court terme, ça s'appelle trader. Les personnes qui tradent s'appellent des traders et 90% d'entre eux perdent de l'argent. Seulement 1% d'entre eux parviennent à en vivre. Pour moi, il est préférable de conserver son temps pour faire d'autres activités et laisser travailler son argent. Après, si tu veux gagner de l'argent plus rapidement, je te conseille de consacrer ton temps à d'autres activités, par exemple en créant une chaîne YouTube. Là, tu perdras ton temps, mais au moins tu n'auras pas en plus le risque de perdre de l'argent. L'analyse technique, même si à la base est plutôt destinée à l'investissement court terme, peut aussi servir à l'investissement long terme pour trouver un bon point d'entrée,
mais on verra ça plus en détail par la suite. En tout cas, tu l'auras compris, moi personnellement j'ai choisi la méthode long terme parce que c'est un investissement qui est moins risqué et les chances de gagner sont plus importantes. Par contre, il y a tout de même des risques, et pour les maîtriser, il faut faire correctement ton analyse fondamentale et te diversifier. Quand tu investis en bourse, tu dois connaître certains indices et leur rôle. Un indice, c'est un groupe d'actions utilisé pour déterminer la performance d'un marché grâce à la performance moyenne des valeurs de l'indice. Ils sont importants pour analyser, comprendre et mesurer la progression de différents marchés. Ces indices sont cotés en points. Je vais pas m'attarder là-dessus, l'important c'est surtout de voir leur évolution. Ils sont calculés en continu toutes les 15 ou 30 secondes pour être au plus proche de la réalité. Je vais me contenter de te faire découvrir pour le moment seulement deux indices importants. Ces deux indices sont des indices nationaux. Ils ont donc pour but de voir la tendance générale de l'économie d'un pays. Le premier indice que je voudrais te présenter, tu en as déjà sûrement beaucoup entendu parler, c'est le CAC 40. Le CAC 40 est le symbole du marché boursier en France. Il est composé de 40 valeurs qui sont sélectionnées parmi les 100 plus grandes capitalisations boursières de France. Dans cet indice, on retrouve par exemple Danone, Total, Air France, Carrefour, etc. Les titres qui composent cet indice sont choisis selon différents critères, comme justement la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est la valorisation au prix du marché de l'ensemble des actions en circulation d'une société par action. Bon, là tu y comprends peut-être rien, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça se calcule et tu vas donc comprendre ce que ça représente. Cette information, tu peux l'avoir sur Google en tapant « cours » puis le nom de l'action. Tu la verras en bas du graphique comme tu peux l'avoir ici pour l'action Coca-Cola. En fait, la capitalisation boursière, c'est le nombre d'actions que l'entreprise a mis en circulation fois le prix unitaire d'une action au cours actuel. Le CAC 40 permet ainsi de connaître la tendance du marché en France. Le deuxième indice à connaître, c'est le S&P 500. Le S&P 500, comme son nom l'indique, est composé des 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. Ces 500 titres représentent plus de 80% de la capitalisation totale du marché. Le S&P 500 permet donc de connaître la tendance du marché des États-Unis. Quand tu auras investi, tu pourras comparer ta performance avec celle de ton indice. C'est-à-dire que si tu as investi essentiellement aux États-Unis, tu devras comparer ta performance avec celle du S&P 500. Ton objectif est de faire une meilleure performance que ton indice de référence. Pareil, si tu as investi en France, tu vas comparer la performance de ton portefeuille avec celle du CAC 40. Comme d'habitude, je te propose les actions de la semaine. Cette semaine, je te propose de finir de lire la formation de Sébastien Morin. D'ailleurs, que penses-tu de cette formation? Est-ce que tu l'as trouvée intéressante? Tu peux me le dire en commentaire, je suis curieux d'avoir ton avis. La deuxième action que je te propose, c'est de lire La Bourse pour les Nuls jusqu'à la fin du chapitre 1. Ça va te permettre de commencer à voir plus en profondeur ce que j'ai expliqué sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça est clair pour toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. A l'inverse, si tu n'as pas compris certaines choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.